Nous revoici donc pour vous présenter la deuxième collection de chez Craft O'Clock, donc qui s'appelle Afternoon Walk. Voilà, je suis arrivée hein, à la promenade de l'après-midi. Donc là, j'ai pris le bloc en 20-20. Qu'est-ce qu'il y a avec je ne sais plus si j'ai pris ce que j'ai pris d'autre, mais je pense qu'arrivera un petit peu plus tard les junk, si je ne les ai pas pris. Ainsi que le 30-30. Alors, donc pour cette collection, tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer que vous pouviez utiliser le gel pailleté cosmique Shimmer avec la collection Sur la mer, puisque on est bien dans les tons, c'est vraiment très très joli. Sweetie. Alors pour cette collection, ben vous pouvez aussi utiliser ce gel pailleté. Alors je vais vous montrer. Donc pour l'album en 20-20, donc toujours 24 doubles pages. 6 pages que vous retrouvez 4 fois. Donc voici le premier à l'arrière de la couverture. Donc ce sont des bonus et là vous avez le thème des îles grecques. Alors ça c'est génial parce que le premier grand voyage que j'avais fait c'était une croisière en Grèce et puis enfin sur la mer Égée. Et donc j'avais visité quelques îles grecques. Donc ça me donne envie de refaire un album avec ces jolis papiers. Alors ça, j'adore aussi les teintes, franchement je les trouve douces et voilà, ça me plaît vraiment beaucoup. Je trouve en plus qu'elles sont assez j'allais dire pas passe-partout, mais on peut les utiliser facilement. Ces teintes sont vraiment très très jolies. C'est pas les mêmes motifs de rouge. J'aime beaucoup. Ici, ben oui, alors la fenêtre ronde comme ça. Alors nous, à Montauban, en Tarn-et-Garonne, on a beaucoup cette architecture de fenêtres rondes comme ça. Ça, c'est bien de chez nous, quoi. C'est vraiment très joli. Et là, vous avez une porte. Alors, en parlant de cette architecture, vous avez chez Minité en ce moment, il me reste des couvertures d'albums et des pages d'albums, donc carrées, en 20-20. Alors, à utiliser avec ces papiers. Moi, ça m'inspire, en tout cas, ça m'inspire ça. Ainsi que les petites poignées là, de chez Tim Holtz que vous pouvez utiliser pour faire des poignées. Voilà, ça, il y a quelque chose à faire là. Il y a matière à réfléchir là-dessus. Moi, je pense que je vais faire un album avec. Enfin, c'est même pas je pense, c'est même certain, puisque en septembre, je vais sûrement faire un petit séjour, peut-être en Crète, je sais pas. Donc, pas trop loin. Mais en tout cas, le décor va s'y prêter là. Alors, soit je préparerai un petit album avant le départ, ou un carnet de voyage, je sais pas, mais je vais faire quelque chose avec, ça c'est certain. Alors, je sais pas si j'ai fait le tour. Donc là on est dans du bleu, on a toujours ces fleurs avec des arômes aussi blancs. Ben, je crois que j'ai fait le tour là. Donc on a 4 fois les mêmes pages. Donc pour aller avec ça, je vous ai sélectionné, comme on a quand même du rose, les roses bicolores, donc de 1,5 cm ou de 2, je ne sais plus, et 1 cm. Les petites ici, ça doit être 2, 1,5, 1 cm. Même les multicolores pourpres vont bien avec ces papiers-là. Donc là, j'aime bien. Moi, je trouve que l'assortiment est sympa. Donc pour l'encre, je prendrai le malt mauve. Vous voyez, c'est un petit peu vieux rose. Ensuite, vous avez les flippettes, pareil, toutes les couleurs là qui vont avec. Vous avez de quoi faire. Au niveau des rubans, eh bien, on a ce vert, on a le blanc, donc cette espèce de vert d'eau. On a ici le beige au niveau de la dentelle crochet. Donc là, c'est pareil, pour aller avec, vous voyez, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des couvertures. Donc celle-ci peut aller avec, également celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La verte est trop foncée. On peut rester dans les tons un petit peu naturels comme ça. Donc ça, je vous propose ces couvertures avec, là vous avez les superbes dots de chez je vais y arriver,
Craft Consortium, donc la collection Belle Fleur. Vous voyez les teintes, on a tout ce qu'il faut qui va bien avec. Vous voyez, on a un petit peu de rouge prune, lit de vin un peu, qui va avec. On a les verts, les gris bleus. Vous avez également celle-ci, tout ce qui est vert. Alors, je vais, hop, on va changer de page. Vous pouvez accorder tout ce qui est vert avec. Donc, celle-ci, c'est la 997-120 au niveau de la référence. Même les roses pailletées, là, elles vont bien avec. Vous voyez, vous pouvez les accorder sans souci. Là, vraiment, c'est la valeur sûre, c'est joli dots, même pour mettre au cœur des fleurs ou sur les tags également. Dans les premières commandes, je mettrai la page d'embellissement offert avec. Voilà, là, j'en ai quelques-unes, donc je les mettrai dans les premières. Et si j'en reçois d'autres, eh bien, ce sera pour les prochaines. Pour les prochaines, quoi. Voilà, pour les cardstock, eh bien, vous avez le blanc. Le blanc, vous avez la couleur clématite et vous avez également la framboise, je crois. Non, c'est mûr, la couleur mûr. Voilà, faut oser, mais je trouve que ça s'accorde bien avec. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez celle-ci aussi, la porte qui tire sur le bleu outre-mer. Voilà, donc le petit assortiment, sinon ben, vous prenez pas de risque, vous avez le blanc. Ou vous pouvez juste prendre une page en couleur pour faire des cartes photos à insérer dans l'album. Ou des fonds pour mettre comme ça, juste pour mater le papier à motif. Mais sinon vous avez le blanc, je trouve que le blanc ça va bien aussi. C'est toujours le blanc, le soleil, de la graisse, tout ça, où ça tape, enfin voilà quoi. Voilà, ben, je pense que je vous ai tout montré. Je vais vous laisser pour aujourd'hui découvrir ces belles collections. Vous avez tout sur la boutique Scrap Merveilleux. Je vous remercie de me suivre et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très très bientôt.